Voilà, famille Bianco, bienvenue sur Machine pour une nouvelle écoute et review à la fois. Et aujourd'hui, on va ralentir le tempo parce que mes dernières reviews étaient plus fondées rap. Aujourd'hui, on va viser un peu le R&B la pop. Et quoi de mieux qu'un featuring entre deux générations éloignées, entre Kaina Samet et Eva, avec le titre Une femme. Moi qui aime beaucoup la voix de Kaina Samet et l'évolution musicale des voix, je sais pas si ce son-là annonce un album ou un autre projet. Moi, en tout cas, personnellement, je m'en fous, je vais me focaliser sur le son. Et si vous me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas, si vous n'avez toujours pas fait, à vous abonner, à mettre à fond d'acte, vraiment, je compte sur vous. Et aussi activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes futures vidéos. Et la famille, si c'est fait, c'est parti. Bon, c'est dommage, j'ai pas trouvé les paroles, mais on s'en fout. Pas trop important, on va voir ce que vaut musicalement ce featuring. Bon, ça commence avec de belles notes de piano. Le poids sur nos épaules pourrait soulever des tonnes. Combien nous pense la âme que l'amour qu'on leur laisse. Apprendre tous les coups pour éviter qu'ils se blessent. Pour revenir te protéger, t'as tombé sous le bas. Bon, les paroles sont vraiment très accentuées envers la femme. C'est très girl power. Ça aurait quand même eu plus de gueule s'il avait dévoilé la journée de la femme là, il y a quelques jours. Et là, le couplet de Kaina met en valeur les sacrifices que fait la femme, que ce soit une mère, une sœur ou une femme, envers l'homme. Demande à Michel qui a fait Obama. Ah, des exemples, bien. Et là, petite chair de poule, parce que cette fille-là, j'ai tellement dénigré au début. Et je me dis, franchement, musicalement, c'est une putain de belle évolution. Parce qu'elle veut vraiment évoluer dans la bonne trajectoire. Et même si on peut lui reprocher, comme j'ai pu le faire, l'usage du vocodeur et tout, réellement, artistiquement, elle est vraie et elle est plus sincère qu'il n'en paraisse. En tout cas, j'ai aimé la manière dont elle est rentrée dans la musique. Bien. Putain de merde, la production derrière. Écoutez les notes d'abord. Tac, tac, tac. Après, fou, BPM accentué. Non, ça, j'aime bien. Toujours tapis dans l'ombre. Bien, vocal. Qui te met à l'abri. Une femme qui fera tout pour te nourrir. Qui d'autre qu'une femme. C'est la maman. Je suis d'accord de mettre des exemples de femmes, mères, sœurs, etc. Mais malheureusement, les exemples sont un peu trop négatifs. Wesh, on est des... qu'on est la pire race du monde. Mais non. Tournez ça de manière aussi positive. Parce que l'homme comme la femme, ils ont de bons côtés comme de mauvais. On est tous êtres humains, on est tous fautifs et on est tous de belles personnes aussi. Quand papa n'est pas là, la danse, c'est le padre. C'est la maman, il m'a fait la madre. C'est comme affronter Tyson, c'est ma meilleure amie. Mon épaule dans la nuit, va plus vite qu'un go fast. Prête à tout pour te sauver, quitte à tomber. Vu que la lead artiste c'est Kaina Samet, je pensais vraiment les paroles plus élaborées. Malheureusement, là, on est plus vers des paroles qui tendent vers le public plus jeune que le public global en soi. Et c'est dommage parce que ça paraît comme un peu amateur et très scolaire au niveau de l'écriture. Demande à Aya, qui a cassé les codes, qui met le coloris. Putain, mais en tout cas, leur voix. Qui pardonne tous tes crimes, que d'autre qu'une femme peut déclencher les sourds. C'est la maman, il me fait la madre. Ton papa n'est pas là. Bon, en tout cas, je kiffe ce featuring. Vraiment, et c'est bien parce que ça va remettre, je pense, en valeur la qualité vocale de Kaina Samet. Et rien de mieux qu'un featuring avec Eva, qui est vraiment pour moi la qualité de cette nouvelle génération d'artistes féminines. Mais en dehors de la qualité de la production, la qualité de leur voix, parce que même Eva, franchement, tant je pense qu'ici, Kaina Samet, vraiment, je voulais se focaliser sur le jeune public pour dire non, vous inquiétez pas, même si j'ai quand même la quarantaine, je peux viser vous comme public. J'espère quand même un petit succès qui sera une petite victoire pour Kaina Samet avec ce featuring là. On attend quand même le projet, la suite du projet d'Eva. Donc voilà, famille, review et écoute du son Une femme entre Kaina Samet et Eva fini. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son. Donc, tous vos avis dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas, si vous n'avez toujours pas fait, à vous abonner, à mettre à fond d'accord, je compte sur vous. Et aussi activer la cloche de notification pour rater aucune de mes futures vidéos. La famille, il y a d'autres vidéos comme d'habitude disponibles par ici. Kiffez, mettez des likes. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut.